Mes chers amis Colombo Phil, this is the part 2 with the video from Combinatio from France. On va aller voir les fameux reproducteurs, enfin quelques, parce qu'on va pas tout pouvoir voir, on a la route à faire, de la terrible colonie de Hans et Everjump Aerkamp, et je partage avec vous cette fameuse vidéo. Donc profitez bien de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça motive. Voilà, j'espère que ces vidéos qui sont partagées sur YouTube sont pas uniquement pour les cafards, parce que je vois que il y a beaucoup de de vues et c'est pas forcément les abonnés qui regardent, et ça me saoule un peu. Donc je pense vraiment qu'il va falloir que vous vous abonniez sérieusement. On est dans la partie des colombiers. Je rêvais de voir ça de plus près et je suis là. Noël, s'il te plaît, là, c'est Olympique Léo. Il va prendre le relais. Merci Noël. Et tu auras le profit de voir. This is Olympique Léo. This is Olympique Léo. Bred by Léo Hermans. Donc raised by both Camrupa. Et donc ce pigeon-là, il s'appelle Olympique Léo. Il a été acheté par Wolfgang Rauper de Germany, de Allemagne. Et il a été acheté chez Léo Hermans. Et Aerkamp, il l'a racheté à... He bought directly after the loft of Wolfgang Rauper. It was in an auction at Airbots. Yeah. Oh, ok. C'était une auction organisée par Airbots et c'est la famille Aerkamp qui a racheté Olympique Léo. So already father to the first ace short middle distance in our federation. Olympique Léo, c'est un pigeon de 2010. Hein. Il est... Essaye de rapprocher. Oh, on voit pas. Non. Là maintenant c'est un peu la nuit. Là ici peut-être. Mais tu verras pas. En tout cas c'est un plaisir. Un plaisir en main. Unbelievable pigeons, fantastic, very beautiful pigeons. This is Olympique Léo. Olympique Léo, il a joué sur le compte de Wolfgang Rauper, premier Olympiade pigeon Germanie catégorie D, premier de 3756, premier de 3517, hein, je dis pas les villes, hein, premier de 1050 pigeons, deuxième de 2219, troisième de 5183, etc. Et il est premier, il est père d'un premier de 6739 et. This is the father and grandfather for many top first prize pigeons. Already for different first prize winners in our loft. So he's already, I think already father and grandfather to maybe 10 first prize winners in big and competitions. And the hand? Is, for now he's paired up with a direct hand of Peter Janssen from Kleve, Germany. Peter Janssen. Yeah, one of the best fanciers in Holland right now. Il est accouplé avec... This is Mr. Dave, huh? Yeah. I look in the video in the... Okay. Look, c'est Mr. Dave, because I am one of the best fan of the family Aerkamp, also of Kek, but I am always looking all the video in the YouTube channel. Yeah. Donc ça, c'est Mr. Dave. Elle vient de Peter Janssen, huh? Elle vient de chez Kleve, Peter Janssen de Kleve en Allemagne. And what the strain of these pigeons? C'est quoi l'origine? She's a half-sister to Shanti, winner first national. Okay. Donc c'est une demi-sœur de Chanty qui est premier national à Spigeon et elle est accouplée maintenant avec Olympique Léo. It's okay, it's okay, perfect. And this is Turbo Russian. This is Turbo Russian. And it was with Magic Arrow. No? Or no, unique? No, it's now paired up with, I think it's called Gerda. Ah, Gerda, okay. Donc Turbo Rossi, là, il est accouplé avec Gerda, voilà. Qui est, elle a gagné le 12e national à Spigeon avec un palmarès extraordinaire. Euro Junior, Lady Bender, Lady Rossi, le père de Turbo Rossi. Enfin, voilà, là, tu as toutes les informations en tout cas de ce fameux Turbo Rossi. Turbo Rossi, il raced here in no, the... No, no, no. But he was bred from two original Léo Hermans birds. Il est né de deux original pigeons de chez Léo Hermans. He was raised in the north of Holland and il a joué dans le nord de la Hollande. Yeah. And we purchased him at Sander Boonstra in Leeuwarden. Boonstra.
Boonstra. Yeah. Donc, and Ayerkamp, we got a tip about this bird because it was a really incredible good racer. C'était un super voyageur. Yeah, et donc Ayerkamp il a décidé de le racheter. Already in the first seasons when we bred from him, he was giving top 10 PIPA ranking birds and good results. La première année qu'ils l'ont mis à la reproduction, il a donné des pigeons et ils ont vraiment d'incroyables good results with the Turbo Rossi. Et il est né de deux directs de chez Leo Hermans. Et il est accouplé avec Gerda. Chaque pigeon a vraiment son box magnifique. This is new arrow. Yeah, it is. With Spidey Grazzle? No, Spidey Grazzle is here. Yeah, this is a full sister of Spidey Grazzle. Okay. This is a German bird, the new euro. Okay. Also Olympian bird. Donc ça c'est aussi un pigeon allemand qui s'appelle New Euro. Il a une bague d'Allemagne. Also from Wolfgang Garaub? No, it wasn't. Like I can't pronounce the name, so I think it's Peter Janssen. No, I can't tell you. Il se souvient pas du nom de l'ancien propriétaire du New Euro. Bred from the best Leo Hermans line Euro. Ok, donc ça il descend des meilleures lignées du fameux Euro. And Euro, it's died, I think, 2 months ago. Yeah, it is. Euro, il est mort cette année. He became too old, so. Il était vieux de 2003. Yeah. But he's also already fathered two different winners, also on the one day long distance races until 600-700 kilometers. 700 kilometers, so that's one day long distance. Il est aussi père de deux premiers prix dans les one day long distance, c'est-à-dire dans le grand demi-fond d'un jour. Regardez les vibrations. The vibration of the pigeons in the wings. À plus de 600 ou 700 km, c'est ce qu'il a dit. Donc ça, c'est le fameux New Euro. Bien. On sent que c'est propre, c'est propre. This is Chito Rossi. Yeah, it's a direct son of... of Turbo Rossi. And this is the hand daughter of Speedy Grizzle. Full sister to Speedy Grizzle.